sur PC avec Resident Evil 6. Donc je l'ai pris parce qu'en fait il y a le workshop avec, entre autres, avec Left 4 Dead. Donc on peut avoir des personnages de Left 4 Dead dans le Resident Evil 6 et des personnages de Resident Evil 6 dans Left 4 Dead. Voilà. Donc là je suis, j'ai commencé, j'ai un peu avancé quand même. Et je suis là dans le métro parce que j'ai pas pu faire autre, on n'a pas pu faire autrement pour passer. Et je trouve ça, il est monstrueux sur PC. Je sais pas comment c'est sur console, mais sur PC il est monstrueux. Vraiment. Il y a une ambiance par contre, je trouve que bah, ça tombe bien qu'ils aient fait un cross-platform avec Left 4 Dead. Parce que il y a quelque chose de Left 4 Dead quand même. Hein. Il y a un petit truc, on se balade, on va dans des trucs comme ça là où c'est un peu. Oula. Oula là, il y en a plein qui arrivent. Oh et c'est super bien mais. Oh là 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 là. Mais il y en a plein. Attends, j'ai pas un truc pour. Non non j'ai. Oh là 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 là. J'ai mis un C4. Il faut se plaquer sur le train. Il faut se plaquer au mur parce que sinon. C'est vraiment excellent. La tête est tombée. Putain, c'est. Tiens, je vais le faire au couteau. Lui. Il y en a un qui avait la hache sur lui. Il a enlevé la hache, il lui a planté, il lui a arraché la tête et tout. C'est trop bien. On a un inventaire qui est là. Voilà, donc là on peut y faire des trucs. On peut faire des potions, mais les potions en fait on mélange les feuilles avec autre truc, on fait des petits comprimés, les petits comprimés on est dans des trucs, dans une gélule, un truc comme ça, et après on peut les manger. Sinon je peux parler à la fille qui est là. Qui est super bien foutue, c'est vraiment elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà, et je peux lui dire la remercier, complimenter, attaquer, appeler, attendre, suivre. Donc je vais la remercier. Merci. Voilà, elle est super bien foutue. Et voilà, vous avez compris, elle est super bien foutue. Donc je peux lui dire, entre autres, pour être plus sérieux, je peux lui. Est-ce que ça marche ça si je fais ça? Ah non, d'accord. Quand même pas à ce point-là. Donc oui, je peux lui dire d'attendre et de venir, voilà quoi. Et ça, c'est pas mal parce que ça peut être utile. L'audio, alors vous voyez pas grand-chose, mais l'audio est magnifique. L'audio, on a le vêtement, le blouson qui fait du bruit, pendant, le blouson en cuir qui fait du bruit pendant que le personnage bouge. C'est vraiment les cheveux. On voit aux cheveux quoi. Bon, je suis sur PC hein, donc je suis au maximum de graphisme, mais les cheveux ils sont encore mieux que dans Tomb Raider quand la nana elle bouge les cheveux. Ah mince, c'est pas ici, c'est de l'autre côté. Oula oula. Excellent, c'est mortel. Il y en a plein des coups comme ça. Hein. Donc là, on récupère des trucs. Hop. Il est beaucoup mieux que le précédent, en tout cas. Tiens. Enfin, l'autre était bien en Afrique, là, aussi. Hein. Mais celui-là, il est pas mal. Hein. Je veux jeter un œil là-dedans. Moi, j'ai Raccoon City aussi, hein, voilà. Ouais. J'ai bien sûr les films. Là. Les films Resident Evil, j'ai le pack. En DVD, je le pack. Et j'ai vous voyez comme attendez, si j'arrive à voir sa tête, c'est super bien fait quoi. C'est attendez, il faudrait que j'arrive à voir leur visage de près. Suis-moi. Oui, les textures, putain, c'est. Regarde les cheveux. Quand même, c'est super bien fait quoi. Même les expressions, la peau et tout, c'est. Et le truc est pas mal, hein. Allez, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est assez rapide dans le sens où
Bah, vous voyez, c'est assez rapide. Donc voilà, on traîne pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Par contre, je sais pas. Donc j'ai un truc sur moi qui me permet de dire, ah ben c'est le train. Non, c'est le train que je dois prendre. Ouais, c'est ça. Je dois prendre ce train. Alors pourquoi? Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? J'arrive pas à l'ouvrir. Il y a un truc que je fais pas ou je ne sais pas. Ouais, ouais, il faut que j'ouvre ça. Chose que je dois faire avant, mais quoi, je ne sais pas. Alors tout à l'heure il y avait de la fumée, il y avait des trains qui passaient, il fallait se protéger, se mettre sur le côté pendant que il y avait des zombies qui nous attaquaient. Franchement, c'est excellent. Les zombies, ils sont bien, hein. S'ils avaient pu mélanger un The Walking Dead Survival Instinct et ce jeu là je crois que ça aurait été une bombasse, mais de fou. Bon, par contre, je ne sais pas quoi faire. Alors, je suis un peu dégoûté d'avoir commencé la vidéo, alors je ne sais pas quoi faire. À 6 mètres, oui, il y a la porte, mais... Ah, il faut peut-être que j'appuie sur B, qu'elle vienne m'aider. Bien que ça soit pas marqué, hein. C'est quoi ça? Marqué B là, attends, il y a un truc là. Marqué B. Bien, monsieur. Ah, elle me fait la courte échelle. Je lui fais. Oh, d'accord. Putain, d'accord. Bon, là, apparemment, elle va y aller, elle, parce que je joue tout seul. Génial. Bon, là, elle est efficace, hein. Le partenaire que vous êtes avec qui vous êtes, c'est efficace. Hein. Après, le truc, on dirait un film, quoi. C'est vraiment, je m'attendais pas à un truc comme ça. Autant le je crois que c'était le 5, il m'avait, c'était impressionnant quand même, parce que ces gens et tout, ils venaient, ils étaient un peu, enfin, il y avait des landes un peu plus rapides, c'était dégueu, mais alors là, putain, c'est au top, hein. Oh, 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 oh. Là, il va lui planter le couteau. Allez go, la mise en scène est très très bien en fait, c'est ça que je veux dire. Donc là il fait un peu nuit, mais en même temps ça fait un peu de suspense. En ce moment je suis dans ces trucs là avec la torche et il fait nuit, donc c'est mon trip en ce moment, donc du coup... Voilà, du coup c'est parfait. Alors la torche, j'ai pas l'impression qu'on puisse l'éteindre. Elle s'allume automatiquement, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. C'est un peu dommage. J'aurais préféré l'éteindre quand je veux pas être repéré, quoi. Ils ont tous des belles gueules, hein. Bon, le mec il est sympa, il est bien costaud et tout. Mais alors la fille est bien aussi, hein. Il s'est bien fait, hein. Putain, c'est... Et les zombies aussi, hein. Vraiment, l'inertie des zombies, elle est excellente. Ah, il crache, elle. C'est la première fois. Ok, c'est bon. Ça a l'air compliqué, ça a l'air un peu fouillé, mais c'est bien, il n'y a pas de souci. Des fois c'est des petits espaces confinés comme à un moment donné dans un ascenseur, c'est trop bien, quoi. On peut courir, hein, voilà, je crois qu'on peut faire des roulades aussi, mais je sais plus comment, je crois que c'est B il me semble, et on ne voit pas là, ah, par là, d'accord. Donc là on est obligé de passer par les égouts parce que ben on a notre voiture qui... Attends, je suis pas revenu en arrière là. Oh le con. Je suis revenu en arrière par rapport au train. Bon, je vais aller vite. Je reviens. Ouais, je... Bon, c'est pas grave, il y a quelques wagons. Je suis à 25 mètres. Mon objectif.
c'est là. Ouais, oui, quand il y a un zombie par terre, si on court, en fait, il trébuche. C'est excellent. Je vais mettre en couteau parce qu'il faut économiser les balles. On peut vraiment... alors, j'ai mis option, donc c'est en je joue en normal. Et j'ai mis... alors, on pouvait mettre balles illimitées ou pas. Donc, moi, j'ai mis munitions pas illimitées, hein, déjà. Alors, eux, ils sont dangereux parce que... Ils nous envoient les haches sur nous, on se baisse comme ça, et en cas où. Voilà. Et en fait, vous pouvez configurer votre jeu. Et là, j'ai mis chasse à l'homme en plus. Je sais pas à quoi ça correspond, mais j'ai mis chasse à l'homme dans la partie. Alors après, je sais pas. Peut-être en fin de partie, il y a un truc ou quoi, je sais pas. Donc les coups, il les fait un peu tout seul, en fonction des environnements. Il n'y a pas de coup, on n'a pas upgradé quelque chose. Enfin, je pense que j'ai pas d'upgrade, hein, je pense. Alors, j'ai pas vu si je fais start. On peut changer même, on peut même changer les caméras et tout dans les options. Pardon, donc on peut changer beaucoup de trucs. Oh la mince. Vous voyez, là, je viens de passer sur un zombie, là, pareil. Voilà. Très marrant. Il y a des caisses. Hop, on peut prendre du truc. Alors si je vais ici, voilà, c'est l'inventaire, c'est ça l'inventaire. Et donc là, j'ai rien à faire. Là, c'est quoi? Une bombe télécommandée. Donc ça, c'est très pratique. Je viens de la découvrir tout à l'heure là dans la vidéo. Donc ça, c'est très pratique. Du coup, je peux la mettre. Voilà, c'est vers le bas. Et là, vers le haut, j'ai un truc pour soigner. Et là, j'ai le flingue. Bien sûr, j'aurai d'autres trucs, d'autres armes après. Là, pour l'instant, j'ai que ça. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Le jeu, il vaut mieux l'acheter sur PC. Parce qu'il vous propose un workshop. Steam propose un workshop. Ça veut dire qu'on va avoir des mods ou des personnages qui vont être différents. Voilà, parce qu'il prévoit pas mal de petites upgrades sur cette version PC. Ce qui n'est pas le cas du tout sur les consoles. Ça va sonner, il va y avoir plein de zombies s'il fait ça. Hey, vous devez ouvrir cette porte. Vite. Je dois sauver mon cœur. Vite. On n'atteindra jamais la cathédrale. Alors c'est un jeu qui est très... Vite, il faut la sortir de là. Qui est un peu dur, hein. On voit des... Ouvrez. S'il vous plaît, ouvrez. Ouais, on ouvre. Pourquoi vous n'ouvrez pas? Vite, on ouvre, ça va. Attendez, non. N'ouvrez pas. Non, on n'appuie pas. Bah. Oh, Dieu. Oh la vache, elle va se faire tuer. Ok, bon, je suis désolé, mais là, je suis obligé. Je vais faire sauter au C4. Reviens. Désolé, j'étais obligé. Elle fait très cracher là. Ça. Ah non, je suis à terre. Ça, c'est pas bon. Elle vient m'aider, ça, c'est bien. J'ai pas de comme soigner, donc je vais attaquer au corps à corps peut-être. Ah non, c'est pas bien. Non, pas au corps à corps. Faut pas, je pourrais pas. Ah, j'ai encore une bombe. Bon, c'est bon alors. On va essayer. Je vais lui dire de venir par là. Ok. Voilà. Ça. Ah, il y a une plante. Cool. Alors dans l'inventaire, je devrais la trouver, vous voyez ça. Mais normalement, il faut que la mélange parce que là, je peux pas l'utiliser. Ah si. Voilà, là je fais un dragé. Et maintenant, oh la vache, je suis mort. Et maintenant en fait, vous pouvez l'utiliser après. Les checkpoints sont pas si mal, ça va. Donc ça, c'est bien.
Vous devez ouvrir cette porte. Vite. Je dois sauver Peter. Oh, qu'est-ce qu'il arriverait si on l'ouvre pas, en fait? Je ne sais pas, on va voir. Jamais la cathédrale. Vite, il faut la sortir de là. Bon, voilà, on va l'aider alors. Ouvrez. S'il vous plaît, ouvrez. Elle va s'y repousser, de toute façon. Je vais essayer de la sauver quand même. On sait jamais. Oh mon Dieu, Peter. Non, on marche pas la sauver parce qu'elle va mourir. Je vais mettre une bombe télécommandée. Allez, viens. Hop, là je dis repli. Ici, repli. Repli. Allez, viens. Voilà. On fait déjà ça en moins. Oh, mais ils sont pas morts. Oh, je vais dire repli. Allez, mais elle écoute bien, hein. C'est bien, hein. C'est cool. Donc là, on attend un peu. On a plus de torche en fait. Comme ça, vous voyez pas, on a plus de torche. Voilà, je vais le tuer. On va le pousser. Oh la vache! C'est de l'acide, c'est chaud en fait. Vite, vite, vite. On va les tirer comme ça parce que là. Ouais, on peut changer de truc. Alors même avec la tête amochée, ils avancent. Hein. Faut vraiment leur poser la tête. Incendiaire. Je vais lui dire de rester là. Attends. Stop. Mais maintenant. Attends, elle a un problème ou quoi? Ah, il y a un mec là, d'accord, ok. Ouh là là, il y en a deux. Alors, des fois, vous avez des QTE. Voilà, quand vous êtes pris au piège. Je vais l'écouter. C'est bien stress, hein. C'est vraiment génial. Hein. Allez, go. Alors, on peut se cacher. On fait comme ça. Et là, je vais le dégommer comme ça. Oh là, il a une bombe. Enfin, il a un truc de... J'aurais pu tirer dessus. Elle fait fini le travail. Vous avez réussi. Vous pouvez accéder à la rue par ici. Alors, c'est comment là-haut? C'est vraiment pas terrible. On pourrait même dire que c'est un enfer. Donc voilà, c'est Resident Evil 6, donc qui est sorti il y a peu de temps sur PC, qui était déjà sorti sur Xbox et PS3. Vous avez des DLC aussi sur Xbox, enfin sur les consoles que j'ai vu. Sur le PC, j'en ai vu un. Restez joignable au cas où vous ayez. Je sais pas si j'ai tout ou pas dedans, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que c'est ça? Oh là là! Oh.
pas, j'ai l'impression. Je sais. Je vais vous aider. Merde, ça fait trois fois que je sauve des gens. Oh la vache! Negan avait raison. C'est l'enfer. Oh là 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 là. Et voilà. En fait, vous prenez pas directement les plantes. Vous les mis, vous en faites des. En fait, faut faire trois un genre de petit craft pour utiliser la plante comme ça. Vous la prenez pas comme ça. Voilà. Par contre, ça va être. Je tire même pas, mais j'ai pas assez de balles. Faut mieux se casser, je pense. Allez, vite, vite, viens. Je vais dire suivre. Oui. Allez, viens. Oh là là. Oh malheur. C'est excellent. Eh, c'est fort. Hein. Allez, il faut sauter là-bas. Ok. Aïe 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 aïe. Putain. Ah, sale bête. Allez, viens. Elle est où là? C'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Alors là par contre. Ah oui d'accord. Ah non, pas bon ça. Oh lui il a envie à tous les coups, non? Ah non, ça va. Attends, avant d'ouvrir, on va faire un truc. Voilà, on est tranquille, c'est bon. On va faire un truc avant d'ouvrir. Je vais tuer l'autre là-bas au fond là. C'est un pompier, je crois. Il a une. Il va exploser, lui. Il va venir ici, il va exploser. Oh, il est parti. Bon, bah tant pis. Allez, on y va. Ah, oh, bah c'est bon, il a explosé là-bas. Oh la vache. Mais qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai rien. Il y a quoi, lui? Ils se déplacent eux, ils sont bizarres. Reviens, 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 reviens. Prends-la.
Oh non, 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 non. Il m'a tué. Bon, ben voilà. On aura fait 25 minutes du jeu. Je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, je referai peut-être d'autres vidéos, certainement avec Left 4 Dead, enfin les mecs de Left 4 Dead. Ça, c'est même sûr. Après, je verrai pour ce jeu si je refais une vidéo. Bon, en tout cas, je vous le conseille. Tout ce que j'ai joué, j'ai vraiment pas été déçu. C'est super bien fait. En tout cas, sur PC, en tout cas. Allez, merci. Au revoir.